Hey la famille, comment ça va? Regardez-moi ça, je vous ai réalisé un gâteau pour le goûter, un petit gâteau à la mandarine les amis. Franchement, vous allez kiffer la recette. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, pour réaliser ce gâteau, il va nous falloir 3 œufs. Ok, donc 3 œufs, il va nous falloir 200 g de farine. Il nous faudra également 120 g de sucre. 100 millilitres de lait, il nous faudra un demi-verre d'huile. On a environ 60 grammes ou 60 millilitres d'huile. Sinon, on peut compter en cuillère. En cuillère, on peut avoir 8 cuillères à soupe d'huile environ. Mais voilà, mesurez, si vous pouvez mesurer 60 millilitres, c'est bien. On mettra de la vanille. Donc, sachet de sucre vanillé. Ici, on a un sachet de levure chimique qui fait 11 grammes. On mettra la pincée de sel. Et le zeste ici de mandarine. Ok? Voilà, j'ai cité le lait, donc tout va bien. Bon, vous allez voir, recette vraiment très très facile. Hein. Ok, allez, on récupère ici le saladier. On va mettre les œufs. On va mettre la pincée de sel. Sinon, on va l'oublier. Petite pincée de sel. Alors, on va mettre le sucre vanillé tout de suite dans le sucre, comme ça je vais tout mettre d'un coup. Et on va fouetter pendant environ une minute, hein, d'accord? Allez, on va pouvoir ajouter l'huile. Ah, l'huile en mélange. Ensuite, le lait. Pareil, on va mélanger. Alors ensuite, on va faire quoi? On va récupérer la mandarine. Elle est belle. Vous avez vu la mandarine? Elle est magnifique. Alors dites-moi quel est votre agrume préféré en commentaire. Et devinez aussi quel est le mien. Quel est mon agrume préféré? Donc là, zeste d'orange, si vous n'avez pas de mandarine. Voilà, zeste d'orange. Sinon... Prenez un zeste de citron. Mais dites-moi quel est votre agrume préféré en commentaire. Je suis vraiment curieux de le savoir. Ça sent bon. Je sais pas si vous sentez, les amis. Elle était belle cette mandarine, hein. Même quand on la zeste comme ça, elle reste jolie. Alors, on va récupérer peut-être un peu de jus. On va essayer de récupérer un peu de jus. Alors, on l'achète. Waouh. Allez, on va mélanger, on va récupérer le fouet manuel. Hein. Le fouet, il est là. On va pouvoir mélanger comme ceci. Ici, on va tamiser donc la levure chimique et la farine. Ok? Donc levure chimique, hop là, on va tamiser rapidement. Dites-moi si vous avez des grumeaux vous aussi dans la levure chimique là. Je comprends pas, moi je me retrouve toujours avec des grumeaux. Surtout dans les sachets roses comme ça là. Il y a pas mal de grumeaux dedans. Ok, donc là on va tamiser tout de suite la farine. Je vais voir si je peux la mettre en une seule fois. Ou en deux fois, je vais voir. On va y aller en deux fois. Ok. Allez, on tamise. Allez. On mélange tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai un moule ici qui fait environ 20 cm. Je l'ai beurré, j'ai mis du papier cuisson, j'ai rebeurré. Et on va mettre tout de suite la pâte à l'intérieur. Okay? Le four, moi je le préchauffe à 160 degrés. Après vous, Olaf, vous cuisez votre gâteau en fonction de ce que vous avez l'habitude. Hein, d'accord? Donc 170, 180, ça dépend des fours. Moi, pour moi, il ne faut pas que je dépasse les 110 degrés, sinon mon gâteau il va être très coloré. Ok?
Alors une fois, il y a une abonnée qui m'a dit, ouais, mais j'ai le même four que toi, je n'ai pas ce problème-là. Ah ben, t'as de la chance. Moi, j'ai ce problème-là. Hein. C'est pour ça que je fais attention au niveau de la cuisson. Et je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ à peu près 25 à 30 minutes. Ok? Allez. Allez, à tout à l'heure. Bon, le gâteau est cuit. On l'a laissé un petit peu refroidir. Un petit dire. Hein. Allez, hop là. Alors, il a cuit au bout de 30 minutes. Hein. J'ai rajouté à chaque fois 5 minutes. Regardez-moi ça, il est magnifique. 30 minutes de cuisson pour moi à 160 degrés. Si vous le cuisez à 180, peut-être qu'il faudra que... Magnifique. Waouh, regardez. Peut-être qu'il faudra que 25 minutes. Hein. Ok? Ça, c'est à surveiller. Allez, je mets le gâteau. Magnifique. Il est super moelleux. Hein. Regardez-moi ça. Encore une fois, une dinguerie internationale. Pour le goûter, vous allez vous régaler. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, on va mettre un petit peu de sucre glace là-dessus. Pour lui donner un petit effet sympa. Et là, on va pouvoir le découper et le déguster. Bon, on va pouvoir le découper, les amis, je suis content. Allez, on va pouvoir le découper. Je vous laisse 2 secondes pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Me laisser un petit pouce vers le haut parce que ça me fait énormément plaisir. Et on va pouvoir donc couper ce gâteau et voir un petit peu comment comment se présente l'intérieur. Ah oui, regardez-moi ça. Waouh, magnifique. Recette dinguissime. Vous êtes prêts, les amis? Allez, je vous montre l'intérieur tout de suite. 1, 2. 3, regardez-moi ça, ça sent super bon. Ah ouais, ça sent vraiment super bon. Franchement, pour le goûter, vous allez faire des heureux et des heureuses. N'oubliez pas, comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour la nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être sûr de recevoir donc toutes nos vidéos. On vous kiffe, on vous aime, à demain, bise, bye bye. Bon, ben, il est temps de le goûter, ce petit gâteau, hein. Gâteau bien bien moelleux, regardez-moi ça, c'est dingue. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ah oui, délicieux les amis. Hein. Je vous kiffe. Passez une bonne journée. Bise. Bye bye. Il y a ma fille qui arrive pour goûter le gâteau. Hein. Je lui mets un peu de mandarine dessus là. Vas-y. Goûte-moi ça. Et tu dis la vérité. Hein. Prends le temps. Hein. Avale d'abord. Mâche. Sois sûr de toi. Et après, tu leur dis aux abonnés ce que tu en penses. D'accord? Délicieux. C'est bon, je l'ai. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Tu aimes bien? Bien sûr. Bon. On vous kiffe, les amis. Les amis, bise, bye bye.